Il y a des voyages faciles, comme la découverte de l'Italie en Vespa, ou des voyages plus physiques, comme la traversée de l'Himalaya à moto. Et côté tarifs, là aussi, il y en a pour tous les goûts. Par exemple, 205 € pour un week-end en buggy en Tunisie, ou 2 400 € pour 15 jours d'aventure à moto dans l'Himalaya. Pour en savoir plus, www.planet-ride.com. Leçon 6. C'est ma vie. Son du français. Activité 6. Exemple. Son histoire. Liaison avec le son N. 1. Mes études. 2. En Ukraine. 3. L'Espagne est un beau pays. 4. Deux étudiants. 5. Je les apprends. 6. C'est un pays très agréable. 7. Des agences de voyage. 8. Un Estonien. Activité 8, 9 et 10. Alors, Emma, tu es déjà allée en France? Oui, j'y suis allée il y a 2 ans. Pour des vacances? Non, pour mes études. J'y suis restée pendant 1 an. J'ai étudié le français à l'université de Perpignan. Et ça t'a plu? Oui, beaucoup. J'ai passé une année formidable. J'ai fait beaucoup de progrès. J'ai rencontré des gens très sympas. Et toi, Laurence, tu es à Tallinn depuis longtemps? Oui. Moi, j'habite ici depuis 2 ans et demi. J'étais venue pour quelques mois et j'ai adoré la vie ici. Alors, j'ai décidé de rester. Tu as pu trouver un travail sans problème? Au début, c'était un peu difficile. Mais maintenant, je travaille à Art Nouveau, la crêperie française dans le centre-ville. Tu connais? Oui, je vois très bien où c'est. Quand j'ai décidé de rester, quelques mois après mon arrivée, je suis allée les voir et ils m'ont proposé un travail. En fait, je suis bretonne. J'ai trouvé amusant de gagner ma vie en Estonie en faisant des crêpes. Et toi, tu fais quoi comme travail? Je suis traductrice. Je veux ouvrir ma propre agence ici à Tallinn dans quelques mois. Mais j'espère un jour retourner en France pour les vacances. Activité 11. Quand j'étais petite, je voulais devenir guide touristique parce que j'avais envie de découvrir le monde. Quand j'ai eu 18 ans, je suis partie faire le tour du monde. Pour 1 an, j'ai visité plus de 40 pays. Ensuite, j'ai décidé de m'installer en France. Je suis arrivée à Lyon depuis 3 semaines. J'ai commencé les cours de français dans 1 semaine. Je suis très heureuse. Quand j'étais petite, je voulais devenir guide touristique parce que j'avais envie de découvrir le monde. Quand j'ai eu 18 ans, je suis partie faire le tour du monde. Pendant 1 an,
j'ai visité plus de 40 pays. Ensuite, j'ai décidé de m'installer en France. Je suis arrivée à Lyon il y a 3 semaines. J'ai commencé les cours de français il y a 1 semaine. Je suis très heureuse. Dossier 3. Et en plus, nous parlons français. Leçon 1. Poste à pourvoir. Son du français. Activité 5. Exemple. Responsabilité. 1. Organisation. 2. Exercer.